Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox. Salut Katox! Salut. Et du coup on se retrouve pour que je passe mon tour hein, globalement. Je venais de pied couronne, je dépensais un petit peu de thunes en off là pour faire le tour, mais globalement au prochain tour on leur rase la tronche et je te passe la main instantanément. Bah, on va aller voir ce que ça va donner. Bon. Et je crois ouais, que. En train de... Là, j'étais en train de taper du. Allez. De l'homme taper lézard. Du lézard. Hein. Ouais. Lézard, c'est ça. Ouais, tu faisais le tour pour tenter d'esquiver un petit peu l'attrition de porcine là. Ouais, bah finalement, vu le peu d'attrition, je suis passé à travers, ça sera très bien. Ouais, ça va, ouais. Alors, la tournoi. Plus que là, tu te remets donc. Donc je vois comment je m'entends avec la tour noire d'Arcane. Qu'est-ce que ça donne? T'en branles, non? C'est... Bah, faut que je vois s'ils ont des alliés ou pas. Ils ont pas d'alliés, parfait. Ouais, ils sont tout seuls, ils ont rien. Je pense qu'elle va pas durer longtemps, la tour noire. D'ailleurs, ça fait pas très tour noire comme terrain. Non, non, non. Hop. Ah, elle est là la tournoi. Ok, il y a un peu plus loin. Je la fais pourfu. Une tour. Et elle est noire. Bah ouais, globalement. Bon, il y a des petits orages et une espèce de grosse ronce chaotique autour. Ça met un peu son. Ça pose sa tour. Ça fait un petit effet. Ça fait son petit effet. C'est on ça. On passe monte. Par contre, tu dois avoir probablement une belle armée. Encore que. Elle est pas mal, elle est pas mauvaise. Mais bon. Autant la ville avait l'air pourrie, autant en général les factions avec une province comme ça, ils ont une armée pas dégueu. Hop, je fais vite le tour des. Au fait, villes. Il était où, On dirait qu'il est reparti le comte vampire qui avait débarqué chez moi. Là. Enfin, le pirate vampire. Non. Les joies de l'ordinateur. Ah, ça commence direct. Ça commence direct par une petite attaque. Bah, ouais, bah tu sais, j'étais en train de me diriger vers la capitale d'Yeten. Là, et je m'étais foutu en embuscade comme un gros sac. Et du coup, l'armée qui était en train d'avancer vers chez moi s'est repliée. Plus ou moins comme prévu. Et c'était une idée de merde, très très clairement. Ouais, alors, là c'est où? Ah ok, c'est lui qui m'attaque. Par contre il a des renforts. Il avait une armée cachée le petit fumier. On va se replier sur ce coup là. Il avait suffisamment de mouvement pour me réattaquer. Ben, on va la faire du coup. Heureusement que j'étais pas en marche forcée. Ça va être un petit peu plus tricky celle-là. Mmh. Alors, nous avons ce qu'on a, donc garde de l'auterne, le phénix va être emmerdant. Des dryades et des murs. Ouais. Deux phénix en fait. Il y a l'argenté. Ah ouais, effectivement, ça va. Il y a quand même trois héros. Ouais, non, il va y avoir du sport. Ouais, faudra vraiment jouer avec les renforts aussi. Ah putain, en plus ils ont une position défensive, sérieux. Mais c'est eux qui t'attaquent. Ouais, mais ils vont quand même être en hauteur. Ben ouais, après, faut qu'on les force à venir quoi, mais... T'as tout un lac sur le bas. Je pourrais pas aller snipe l'armée avant que les renforts arrivent quoi. C'est bon, par où les renforts vont arriver, tu vois. Oui. Bah, vu que je me suis replié, à mon avis, ils doivent être tous derrière. Mais j'avoue que je sais pas d'où est sortie sa deuxième armée, mais c'est bien vu de sa part. Bon après ça c'était l'armée pour tenir plus ou moins l'arrière-pays, donc on passe non plus. En vérité ça va quoi. Ouais, même si on perd, c'est pas la mort. Bah tu te mets ici, comme ça là. Ils peuvent traverser ça, ouais ils peuvent traverser. Ouais bah oui. Ils peuvent traverser, ça donne des... quand même gros malus, donc au pire t'as ton armée qui est là et ils vont commencer à faire le tour. Dans ce cas là tu réangles.
dans un tour d'un côté ou de l'autre. Au pire, il passe à travers, et là, en gros, il s'enchaîne des malus assez... assez porcins. Ouais, ouais. Et puis, on a quand même, même si elle est pas fifole, on a la petite armée de renforts qui va être là, quoi. Ouais, bah elle va servir. À quoi ça ressemble, des squelettes en armure? Oh, c'est mignon. C'est vrai que j'ai même pas été les voir. Ils sont choubinou. Ah ouais, ils ont une petite cote de maille et tout. Je te donne l'armée de renfort. Ouais. Description. Ils entravent la progression des petites unités. Je pense que mis à part le phénix, ils ont que des petites unités de toute façon. Bon, déjà ils chargent visiblement, donc moi ça me va. On est plus ou moins à l'abri de la forêt, bah, ça sera toujours ça de prix pour leur tir. C'est la première armée qui charge. Par contre, les gardes maritimes. Ouais, les gardes maritimes, ils vont être trop lourds. C'est le problème du truc, c'est que les archers ont plus de portée que toi, donc il faudra avancer, quoi. Ah, petite boule de feu. Ouais, ce que je me disais, c'est quoi qui me tire dessus, mais oui, petite boule de feu. Et. Putain, boule de feu dans du lancier gobelin. On va voilà, globalement ça. Perdu 3, quoi. Bon, visiblement. Deuxième boule de feu. De se mettre par là. Elle envoie du pâté celle-là. Ah, celle-là a déjà un peu plus touché. Quoique. Ouais. Ah, là ça tire. Ils sont à portée, hein. T'as oublié un groupe de. Ouais, je voulais qu'ils se fassent le phénix. Ah, y'a l'autre phénix qui arrive. Bah, ils ont pas de tir. Si on allait faire une petite menace sur l'arrière là, avec les squigs. Ah, qui c'est qui avance là? Ouais, non, ça c'est bon. Vous. T'as bien désactivé la. L'escarmouche à tes. Mes tireurs, ouais. Mais normalement, oui, ils l'ont pas de base. Ouais, c'est ça, ils l'ont pas de base. Hop, vous. Venez donc vous réaligner par là. L'orc, tu voudrais pas aller taper un peu sur le phénix là? Pour une fois qu'on a un orc qui serve. Vous, c'est pareil, avancez un chouïa là. Toi, tu fais rien ici. On va changer la. Je sais pas si t'as déjà fait, mais changer la cible des archers. Ouais, c'est déjà fait. D'ailleurs, toi, tu vas plutôt tirer sur ceux-là. Ah, ils sont un chouïa trop loin. Tu as que 3 archers là ? Ils sont... Il m'en manque un. Toi t'es là, toi t'es là. Ah oui, non, c'est lui qui me manque. Voilà. Hop. D'ailleurs, allume plutôt le phénix. Comme il t'a snipé ton héros. Oui, bon, il a perdu 20 PV quoi. Je me sens pas trop inquiet. Limite c'est plus les. Le phénix sur la tronche de. Des squigs là qui fait chier. Tu peux les faire décrocher. Non mais on a réussi à gérer les archers, c'est plutôt. Par contre,
clairement les sorts. Ça sent. Ah, en vrai, il se fait plaisir, le gamin. Demi-tour, vous. Allez, allumez-moi un peu ce phénix là. Putain, mais il est relou lui par contre. On peut tenter de se faire les phénix avec nos deux squids. Bon. On peut pas faire ça. Pour l'instant, je me sers pas de mes igouillards, je les garde pour la deuxième armée qui devrait arriver à un moment. Voir les. C'est pas à moi ça, c'est à toi les archers qui avancent, je me disais. Peut-être une petite charge de dos là-dessus, hein, tant qu'à faire. Ok, là c'est géré, on va pouvoir tirer sur ça. T'es tout seul toi? T'es sérieux? Quoi ce bug, ils sont mes autres. Mes autres sont déjà dessus. Ah oui putain, je me disais. J'avais pas vu. Bon, un phoenix de moins. Allez chef de guerre là, tabasse-moi ce con. Ouais, le héros est en fuite. Les gardes maritimes, on va les percuter, ça va les calmer. Ils sont quand même plus grands que des elfes, hein, mine de rien, sur leur squid. Hein. Ah bah oui. Bon, par contre, ils traînent les renforts ou c'est moi? Bah. Je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de contourner dans la forêt ou un truc du genre. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ah oui que... Ah ça y est, on commence à les voir. Ah bah ils marchaient en fait. Ah non, ils sont très fatigués. Il ah a, mais... Il a dû se mettre en marche forcée sûrement pour... Ouais, je peux marcher ça. Pour me rattraper. Allez, on se replace. Demi tour. T'as des archers gobelins qui poursuivent le phénix, je sais pas si c'est voulu. Oh, j'ai vraiment qu'ils tirent dessus au lieu de... Ah voilà, merci bien. C'est pareil, il est en train de taper sur des squeaks qui se traînent là. Ouah, chaque rafale il prend tellement cher alors que normalement il est censé avoir une résistance au feu. Je pense... Est-ce que ça compte ça Vous tirez? Vous tirez pas? Ah, vous tirez plutôt pas, d'accord, mais vous tirez pas. Ouais, je... Mais, putain, mais barre-toi. La pop-up, vos unités cachées sont découvertes, qui t'empêchent de faire quoi que ce soit, quoi. De cliquer sur l'ennemi. Et revient l'archimage. Pourquoi pas. La vache, il a ressuscité le phénix. Fumier. Je sais pas ce qui est fou là, l'archimage, elle est pas en fuite, elle essaie de reculer. Elle va rejoindre les autres. Oula, on voit que les ombres elles sont là. Ah. Ah oui. Effectivement. Ça se voit. Presque dommage, ça aurait presque le coup d'envoyer des trucs, mais il y a trop d'unités qui arrivent derrière là. Au moins on sait où elles sont. Ouais, puis nous on se repose, on a pas mal consommé les munitions, mais ça va l'un dans l'autre. J'ai pas une unité qui est en train de poursuivre le phénix là. Si. Ouais. Bah, Midgardos qui reprend du. Il reprend ouais, du. Bah, voilà, il revient. Ouais, mais il s'est envolé surtout.
Je pourrais pas y faire grand chose si tu veux. Allumez-moi ce con là. Je sais pas pourquoi il en veut au Squid. Hein. Ah non, il fait le tour. Il se barre. Il va rejoindre. Pas grave. Voilà. Ouais, bonne idée de passer dans les flèches. Oh, c'est pas la peine de poursuivre. Arrêtez là. Rentre les ombres, on les découvre quand on veut. Ah, merci bien. Focus. Go. Tu nous rebalances des putains de boules de feu, t'es sérieux? Dans les gobelins, elle tient à buter les gobelins visiblement. Voilà, parfait. Allez, on va peut-être pouvoir lancer la wag à un moment. Ouais, juste avec le... Ce qui est bien, c'est que les ombres, elles vont pas nous ennuyer longtemps. Ah bah là, oui, elles vont se faire dépouiller. Allez, on se réangle. Attention au phénix qui fait le tour là. Même si bon, je pense que peut-être quoi l'accueillir. Oui, ça va. Ah non, mes unités cachées sont découvertes. Ah voilà, là ils sont pas cons, les gardes maritimes, ils restent bien à distance cette fois. Mm. C'est pas grave, on va encaisser quelques tirs. C'est le héros qui prend. On va peut-être reculer un peu quand même. Et les zigouillards, ça vous dirait de vous faire un petit phénix au petit déjeuner là? Un phénix là. Alors là par contre, il va falloir avancer un petit peu pour accueillir le choc. Quand même des rangers en frontal là et la dryade. Allez, on va attendre qu'on soit au contact et c'est parti pour une petite wag. Sniper les gardes maritimes qui ont eu la bonne idée de s'approcher. Bon là les gobelins de la nuit se font un peu dépouiller. On peut leur envoyer un petit fanatique peut-être. Ouais. Sur de l'émur, ça fait pas le café non plus quoi. Les émurs sont en retraite donc c'est bien. Là par contre, on occupe un peu les gardes maritimes mais on va se faire dépouiller. Pas de miracle, maintenant on peut commencer à se les faire. Demi-tour à vous. Demi-tour, qu'est-ce que vous foutez? Bim. Attention tes squig en fond. Putain, ils viennent d'où eux? Derrière. Bien fu. Ça va. C'est pas, je crois. C'est bon, on a commencé à taper sur l'Ariel. Elle a flippé sa mère, c'est bon. Surtout qu'elle est pris cher très très vite. Essaye de focus les lémures qui passent près de ton armée, si on peut les faire des... Ouais, je vais même sacrifier des petits gobelins pour
D'ailleurs, je vais envoyer les squigs. C'est ma seule vague cavalerie. Je suis pas sûr qu'ils pourront faire grand chose contre des lémures. Mais le truc, c'est qu'ils sont encore 16, donc si on peut réduire tout ce qu'on prend comme nombre, c'est déjà ça en moins, parce qu'ils vont d'office revenir full life, vu qu'ils n'ont pas perdu d'unité en tant que tel. Normalement, ils devraient 14. Rester blessés. 14, c'est bien ça. Ils devraient quand même rester blessés, théoriquement. Je suis pas sûr. Oh, je pense que si. Ils vont pas regagner de la vie comme ça, gratos. Bon bah ça va, un gobelin qui s'enfuit. Et on a perdu un gobelin de la nuit avec Fanatic. C'est pas... Pour une bataille qui était perdue d'avance, franchement. Ouais, ça va. Mine de rien, les gobelins, ils ont réussi à tenir la ligne juste qu'il fallait. On a vite pu clôturer, est-ce qu'on les rattrapera pas? Mais attends, il y a les autres, les squigs là, ils sont en train de se faire l'autre unité. Ils font le taffé, ils font le café, hein. Ils étaient full life là avant qu'ils les attrapent. Ah ouais. On va passer en VTS 3 peut-être. Ouais. Là, il y a plus 3 à calculer en théorie. C'est vrai que. Il diminue, mine de rien. Oh, ouais, oui. ils vont se la faire. Hein. 12, ouais. 11. 10. Bah, jamais ils s'enfuiront là. 8. Ouais, non, là je pense pas. 5. Bon, 6. 2 squeaks dessus, c'était peut-être un peu trop du coup, mais c'est pas grave. Bon, au moins t'as assuré le coup. Ouais. 5, 4, 2. 1. 1. Et. Allez, allez. Bim. 0. Ah bah tu vois le 2 justesse je trouve qu'il est... Voilà, c'est juste parce qu'on a une unité qui est partie mais bon... Ouais mais je pense que vraiment le 2 justesse en fait... Je regardais un peu comment c'était calculé... Ça dépend vraiment de ton taux de perte... Par rapport au taux de perte ennemi en fait... Là tu vois on a perdu 700 troupes dans l'armée principale alors qu'il en a perdu 680-172 du coup c'est presque... Pareil... Ce qui est franchement un peu bizarre, enfin c'est une manière de calculer comme une autre on va dire, mais c'est pas trivial. Des gobelins. Voilà. Donc t'auras avec des nains, d'accord, mais là c'est des gobelins. C'est sûr qu'on est d'accord que voilà, perdre 700 gobelins c'est pas comme perdre 700 gardes maritimes de Lauterne ou 700 lémures. C'est ça. On s'entend. N'empêche, on leur a mis une bonne raclée là. Ouais, par contre leur héroïne là avec ses sorts, waouh quoi. 187, non, mais... ouais c'est fait plaisant. C'est les éclairs et autres. Ouais, plus les éclairs que les boules de feu, je pense. Honnêtement, voilà, les éclairs, l'arrière. Les boules de feu. Il reste pas grand chose. Hein. Non, c'est propre. Je sais pas comment elle a fait pour ramener cette armée, mais je pense qu'elle regrette. On a gagné une bannière, commandement plus 8. Ouais. S'enfuit pas nos gobelins. C'est pas leur genre. Pas le genre le des gobelins. Noctilus, le comte Noctilus veut un pacte de non-agression. Tu lâches de la guerre, mais... pas. Oui, tu te demandais où est-ce qu'il était passé, mais il avait fait un assaut contre le terme. Ah c'est vrai, oui, t'as raison, ouais. Il s'était fait dépouiller. Il s'était fait défoncer, ouais. Ouais, bah là, il a plus rien. Hein. Bah ouais, là non. Ah, il veut pas me filer des sous. Bah tant pis. Exact, je me souviens qu'il avait tenté un assaut et que ça avait été lamentable. Bon, je pense que les elfes là, ça va être juste une question de temps, mais on va les finir. Hein. En fait, la vraie question qui se posera, c'est est-ce que après, on se retournerait pas contre le Reichland à deux? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop joué coop jusqu'ici, mine de rien. C'est vrai qu'on pourra aller faire coucou avec l'un. Ça pourrait être amusant. Mm-hmm. On a fait plein de gens en combat, il y a Louan Cœur de Lion qui a réapparu, mais trop tard. Bim. Oh, vous êtes sérieux? Allez. Mm. Putain, on est 20 000 quoi.
Bon, ok, 4300. Quand même. 964 pertes. C'est abusé. C'est tellement abusé. Ouais. C'est qu'est-ce qui a fait le plus de dégâts? Trébuchet 128, des archers à 100. Ils ont dû faire des bons jets de dés sur le random. C'est ça. Ça ne suffit pas. Remporter plusieurs victoires contre les hommes. Parfait. Un petit objet magique. Tiens, manquait pas un objet magique toi? Ah non, c'est un objet arcanique, pardon. Excusez-le. T'as quand même gagné un niveau. Ah bah écoute, prends ça. Et toi... Intrusion nocturne. Ouais. Plus de bonus pour les gobelins de la nuit, ça me va bien. Ici, on va passer en marche normale. On peut pas se faire loin, mais il prend pas d'attrition par contre. Ah, et carrément, il se régénère. Ah, mais oui, il est en campement, le petit con. Il n'y a pas d'autre choix. Par contre, il a pas de pont là. Il est juste complètement coincé sur son petit truc. Il y a un pont ici. Ah bah du coup on va le coincer. Voilà. Bon, on n'est pas dans hyper en forme, mais par rapport à lui, ça devrait le faire. Alors Couronne, qu'est-ce qu'on a de beau à Couronne? Ah bah c'est pas si pourri hein, pour une ville qu'on vient de raser lamentablement. Franchement ça va. On a quoi? On a ça, pourquoi pas, ça ok admettons. Une boîte à outils gobelins. Ouais, ça pourrait être pas mal d'avoir un point d'ancrage de recrutement ici si jamais on décide d'aller tomber sur le réclan d'après. Donc on va continuer dans cette veine. Alors, ensuite, elle sortait d'où son armée là? J'en vois toujours qu'une. Tu peux regarder dans le menu diplomatie, Couronne, voir s'il y a encore des villes. Ah oui, je pensais à l'armée de d'Avlorn, ouais, j'étais en train de chercher. Ah. Non, il a zéro, il n'a plus rien. Non, bah là du coup on a un niveau, on va le prendre. Un petit sanglier de guerre. Ouais, allez, un petit sanglier de guerre. Ah, et on a découvert un nouvel ingrédient en faisant ce sanglier de guerre. Bah, c'est cool. Tour de termine. Je sais pas où est partie ta copine, mais tu vas mourir quand même. De toute façon, c'est pas vraiment... Y a pas vraiment de débat ou... Ah mais non, là je pense pas. Non. Allez, bim, encore un héros qui dégage chez eux. 12% de renforcement d'armée pour avoir pu ça. Bah ouais, on va prendre. Sinon c'est 150 balles. Je pense que c'est rentable. Alors du coup, il y a une armée ici de... c'est qui? Tyrannox, c'est ça? Calédor. C'est Calédor. Et bah, on va lui marcher dessus. En avant les gars. Coucou. Il s'est pas enfui. Ah, il était en marche forcée. C'est pour ça. Ah bah. Coucou. C'était une idée de merde. Moi je dis voilà. Ça, je dis rien. On perd son nom, c'est vraiment... pitoyable. Bah de toute façon là ils sont aux abois, hein. Faut pas... Donc le plan c'était de traverser. On a gagné objet de sort, vitesse de Lycos. Ok. Mais je sais pas où est passé son putain d'armée quoi. Alors attends, il y avait Alariel dedans. Du coup je peux peut-être la voir pour le coup sur la map elle. Non, je la vois pas, fais chier. Avlorn. Non, je la vois pas. Bah, tant pis. Du coup, on va commencer à se diriger par là-bas. Voilà. Ici, on se dirige vers la porte du Phénix.
sur laquelle on va rouler, mais peut-être pas. Hein. Rouler, mais pas tout à fait. On va rouler dessus, mais ça va quand même coûter un peu cher. Qui c'est qui a encore un niveau là? Chicard, il a un niveau. Qu'est-ce que te reste à prendre? Un petit peu de morale? Allez, un petit peu de morale. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, si j'allais faire coucou à Grom. T'essayes de faire en sorte qu'on n'attaque pas la capitale, c'est ça? Ça ne marchera pas. Peut essayer. Je te repousse, et maintenant j'attaque la capitale. D'ailleurs non, je vais attaquer l'armée à côté. Ah non, elle est dedans, zut. Oui, il est dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'auterne, c'est ça? Bah... Moi je vois pas. Il y a quand même de quoi s'énerver un peu. Je pense que là, pour le coup, quelques tours de siège, ça va être utile, parce que sinon nos troupes atteindront jamais les murs. Le bélier, on va laisser tomber aussi l'idée. Très clairement. Parce que ça sur les murs... Ah oui, du coup, vu qu'on la fait pas, tu peux pas voir. Bah, en gros, ils ont 2 lions blancs, 4 maîtres épéistes, 5 gardes maritimes à foutre sur les murs, des princes dragons, des balistes, 2 dragons, non, 3 princes dragons, 2 dragons, des grands aigles. Y a de quoi s'énerver un peu, quoi. Y a de quoi s'amuser, c'est un petit entremets. Disons qu'on a vu que s'approcher des murs avec ce genre d'elfes dessus qui mitraillent, bon bah nos unités elles arriveront jamais, quoi. Surtout que t'as une chance que ça soit... Allez, ça soit une carte qui est peut-être retravaillée par le mode. L'Auterne, à mon avis. Ouais, y'a moyen, ouais. C'est vrai. Y'a bien moyen. On a des ordres. On a pris une province. Ah bah oui, y'a couronne. Bah on va prendre la croissance, hein, parce qu'il va falloir que ce coin la tienne, mine de rien. Allez, on a couronne mise à sac, du coup. Ce qui nous donne pas grand chose de particulier, visiblement. Alors, le public se casse la gueule, la corruption chaotique descend un petit peu. Ouais, descend même carrément. Ça, c'est cool. Un petit tour des bâtiments peut-être, en speed. Ouais, allez, on va le faire ça. C'est pas comme si on avait pas un max de blé. Ok, nos revenus sont tout pourris, mais bon, tant qu'on continue de mettre à sac des trucs. Je suis pressé de voir la mise à sac de l'Auterne. À mon avis, ouais, ça va être carrément la violence. Ça va être très bon. Ok, du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.